Bonjour à toutes, pour rester dans l'air du temps. Alors, Song of Conquest, Songs of Conquest. Ok, on est toujours à la version Early Access 0.75.75.3, qui est juste celle qui est avant, qui était avant le patch. Il y a eu deux patchs maintenant depuis, qui ont diminué la difficulté de la campagne 3 et campagne 1, mission 3 et 4. Parce que les gens pleuraient sur Steam. Donc nous, on va prouver à ces petites personnes-là que le jeu est tout à fait possible avec la geste des cœurs vaillants et la mission 4. Puisque je l'ai déjà réussi, j'ai le droit d'y aller. On commence. Alors, je vais faire la campagne complète. Elle dure quand même assez longtemps, donc ce que nous allons travailler, c'est, je vais vous faire des chapitres, pour chaque bataille. Comme ça, vous n'avez pas besoin de voir mes petits bonshommes qui se promènent, si vous n'avez pas envie de les voir se promener. Parfait, donc la menace de Lot, cliquez une fois pour mettre tout d'un coup. Je vais laisser les youtubeurs qui ont envie de le faire de parler. Voilà. Nous, ce que nous allons faire d'abord, c'est on va avant de démarrer, le jeu vous remet des trucs à la con. Il vous remet pas tout ce que vous aviez, enfin je crois pas. Ou alors je les avais filés aux autres, je sais plus. Soit nous avons des bottes de déplacement de vision. Nous avons un plus 8 de défense ici, nous avons un chapeau de 8 de défense, nous avons là des gants de défense, un d'attaque, un de rayon. Oui, je n'en vois pas de meilleur jusque là, ok. Ça, je n'en veux surtout pas demain pour 9 points, ce n'est pas rentable. Nous avons, voilà, nous avons un marteau de guerre qui me fait 11 d'attaque. Alors, ceux qui se posent la question, 11 d'attaque, c'est 11% des dégâts infligés en plus. Voilà, ça c'est 8% des dégâts infligés en moins. Parfait. Et alors tout le reste, oui, si vous pouvez mettre une arme à la main secondaire, comme ils appellent ça, donc le choix de main, main au choix plutôt. Voilà, ici on voit main au choix, 3 d'attaque. Alors 3 d'attaque, l'avantage de l'attaque toute pure, c'est que c'est pour tout le monde. Par contre, on va plutôt mettre ici un pistolet, parce que c'est pas grand chose, 3%. Par contre, celui-ci va me faire 10 pour les attaques à distance de ces messieurs-ci. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il y en a que vous pourriez vous mettre dire, ça c'est bien, non, 25 d'attaque à distance. Mais regardez, là j'ai 11, et 10, j'ai 21, donc ça ne m'apporterait que 4%, et ça ne marcherait que pour ces gens-là, pas pour les autres. Donc, niette. Alors, par contre, voilà, vous avez commandement au maximum, la garde, qui me donne 30% de résistance aux attaques des mêlées, 2 en mêlée, plus 20% d'attaque, et j'ai une très très bonne initiative, parce que c'est une chose qui est très importante, pouvoir taper les premiers, ou vous reculer les premiers. Bon, ok. Et puis, si vous tapez en premier lieu, et vous butez toutes les unités d'autres, vous ne recevrez pas de sort dans le nez. Si les autres ont une unité qui démarre en premier, le lanceur de sort peut vous balancer plein de petits dégâts, quoi. Et c'est ce qui se passe généralement avec un des thaumaturges ennemis. Bon, alors ici, je vais pas venir là, parce que vous voyez, là je rentre dans la terre. Donc je vais plutôt venir ici, je viens là, et puis je fais un petit demi-tour là. Ça m'a permis de gagner un demi-point de déplacement. Bon. Les routes en terre sont meilleures que l'herbe ou que vous verrez, il y a des tas de bidules. Et les routes en pierre, elles vont encore plus vite aussi. Donc il y a une différence de déplacement suivant l'endroit où vous vous trouvez. Donc ici par contre, la pierre unique, elle va vous donner plus de 20 d'attaque, mais moins 10 de défense, attention. Mais bon, on va la prendre quand même. Là, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller dans la terre, et on revient dans ce coin-ci. Voilà, on continue.
crois que c'est Enter pour le faire, oui, ça marche. On y va, on attaque. On prend les tisses lunes parce que je vais travailler uniquement avec des fées, je suppose. Hein. Et donc, d'abord 600, c'est pas énorme pour ça. Voilà. Et nous arrivons à notre premier combat. De nouveau, ici, j'attaque pas là. Je viens là pour gagner une demi-case. Voilà. L'avantage, quand vous attaquez vous-même, c'est que vous pouvez aller regarder et vous retirer. Donc, on voit ici qu'il nous annonce qu'on a des rapestiférés. En fait, on va en avoir 83, je pense, 72 rats. 24 et 27 assujettis qui sont des squelettes, tout simple. Et des spectres, un peloton de 6. Donc, ici, moi, j'ai beaucoup de place, comme vous pouvez le constater. Et l'IA, elle aime bien attaquer les moins forts. Et donc, les moins forts, on va faire ceci. Hop, on met un ici. Un deuxième. Voilà. Et puis un troisième. Donc on est un. On pourrait même en mettre un quatrième, à la limite, pourquoi pas. Mais le problème d'en mettre quatre, ça veut dire. Je vais vous montrer. C'est le plus simple. Mais bon, déjà, on va en mettre un max ici. Parfait. Et le reste, on le laisse comme ça. On va attaquer ici. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre tous mes reins. Voilà. Et puis, on va aller les ce sont nos midfield. Hein. Voilà. Ce sont nos midfield. On va faire la tactique Azov. Hein. On va prendre des petits citoyens. Puis, on va aller les mettre, les cacher pour qu'on leur fasse tirer dessus. Hein. Bon. Donc, voilà, 7, 16, donc là on va avoir des rats, on a je ne sais pas où, enfin soit on va voir ça tout de suite. Bien, on démarre le combat. Pourquoi est-ce que la partie est difficile ici? Effectivement, bon, j'ai testé sur la nouvelle version, mon Dieu. Ah, j'ai perdu aucune unité dans cette bataille là. J'ai perdu aucune unité. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, j'ai rien à faire de spécial. Je me tais. Voilà, on est le rat, il va venir me chercher ce truc ici. Bon, ben toi, tu peux venir par exemple là. Ça change pas grand-chose dans l'histoire. J'ai quelques points d'essence hein, qui commencent à monter, vous voyez. Alors toi, tu vas venir ici. Parfait, sera plus grand hauteur, tu as 40% d'attaque supplémentaire. Le 12, ben lui, on va le ramener plus ici. Voilà. On ferme. Alors là, vous tirez surtout pas sur les rats. Le gros avant. Les rats, qu'est-ce qu'ils font? Si vous leur tirez dessus, ils gagnent un point de déplacement et 2 de dégâts en plus. D'accord? Moi qui prenne des dégâts en plus, je m'en fous. La seule chose qui m'embête, c'est le point de déplacement. Comme vous pouvez le voir ici, il avance de 4 cases actuellement. Donc, hein. 1, 2, 3, 4. Il peut venir attaquer ceci. Et il peut venir attaquer ceci. Vous voyez, si un ennemi peut vous attaquer, quand il est entouré de rouge. Ouais, là, il est entouré de rouge. Donc, mes 3 vont se faire attaquer si je ne bouge pas. Je ne vais donc pas attaquer ici. Moi, je vais venir me protéger ici en bas. Voilà. Toi, tu vas faire la même chose. Tu vas venir là. On regarde. Grâce au pot de fleurs, là, je ne peux plus me faire attaquer. Je ne le tire pas non plus. Boum. Et j'amène mon dernier milicien ici, qui ne peut pas tirer. Ce qui permet de continuer. Hein. Les rats vont venir là, les rats vont venir ici. Et tout le monde va venir pour essayer de buter son petit milicien. Pendant ce temps-là, moi, je charge mes points d'essence. Malheureusement, ils ne sont pas énormes, hein, mais j'ai pas trop le choix. Voilà, toi, on voit que là, je ne peux pas me faire attaquer non plus. Là non plus, ici non plus. Donc, on peut rester où on est pour l'instant. Ou on peut peut-être remonter pour ne pas se faire embêter. On va venir ici. Comme ça, si je... Parce que si elle, enfin, le spectre plutôt, en venant ici, à l'occasion de venir attaquer un de mes personnages, il va le faire.
et je veux avoir la place pour circuler. Vous voyez, 4 cases, si celui-ci a un soda par exemple, ben je... enfin soit on se comprend. Donc toi tu as fini ton coup, le 73 va venir essayer d'attaquer, voilà. Toi tu peux venir maintenant sur le promontoire, gagner 20% de défense. Le rat 82, il va chercher les miliciens. Ah, ici on a une possibilité d'attaque et on est dans la zone de mort, mortelle. Donc celui-ci, on peut en profiter pour attaquer. En plus, après, j'ai mon 12. Le 12 ne sera pas dedans, mais pourra peut-être le finir. Ça, c'est dommage. 37-82. Alors, comment peut-on travailler ça? Je peux lui augmenter de 10% avec ce sort-ci. Mais j'ai pas beaucoup envie d'utiliser maintenant. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il va faire le rat. Ici, si je lui tire dessus, il peut m'attaquer après. Hein. Mais bon, moi, je peux toujours bouger. Il y aura 5 cases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il pourra même venir jusque-là si vous voulez. Mais là, il ne peut pas m'attaquer. Il ne peut pas m'attaquer, pouvait pas attaquer une hauteur de 2. Il pouvait attaquer une hauteur de 1, mais pas de 2. Et donc moi, je vais quand même pouvoir bouger après mes trucs. Hein. On va lui tirer dessus. Boum. Ça lui a fait du bien. Vous voyez, 10. Maintenant, il peut m'attaquer partout. Hein. Alors le 12, est-ce qu'il peut buter? Ouais, il peut sans doute buter. Comme c'est un rat qui n'est pas venimeux, c'est celui-ci qui est venimeux, bon, ben, il vient m'attaquer, il meurt. Hein. Il va me faire un point, il va me faire 3-4 points de dégâts, même pas, parce que j'ai beaucoup plus de défense que lui. Donc on va... ah ben, on l'a buté, c'est parfait. L'avantage d'avoir buté, c'est que ça nous donne maintenant 10% d'attaque en plus, et 10% de défense. Ok, nous voici maintenant arrivés à celui-ci. Maintenant, j'ai envie de buter celui-ci. Ça va pas faire grand chose, mais l'avantage c'est que ça va le mettre également en berserker, et le mettre en berserker, ça lui donne 25% de défense en moins. Et malgré tout, même s'il vient ici, il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, il pourra venir m'attaquer, mais je pense qu'il va quand même venir attaquer celui-ci. Je vois pas pourquoi il irait là au lieu de venir ici. Donc on va de toute façon le toucher pour le faire descendre à 25. Moi qui m'attaque avec 3 ou 4 points, ou 5 points, ou 10 points, c'est la même chose, je meurs. Hein, faut pas rêver quoi. Mais au moins j'en aurai enlevé quelques-uns. Voilà. Vous voyez, ils continuent tous à venir là, puisqu'il y a la possibilité de le faire. Alors ici j'ai une possibilité de venir buter le 24. Mais est-ce que c'est intéressant ou pas? Ah, si je le fais... 1, 2, 3, 4, 5, il ne peut pas venir m'attaquer avec les rats si je reste ici derrière. Si au moins j'en laisse un vivant, je veux dire. Il faut que j'en laisse un vivant. Je crois. Et alors, elle, malheureusement, je ne sais pas ce qu'elle doit faire. Elle peut venir attaquer ici. Elle a l'air de vouloir faire ça. Mais maintenant, elle voit qu'elle a la possibilité de venir aussi ici. Donc c'est tout à fait possible qu'elle vienne m'embêter. On va quand même aller se chercher le petit canard là. On a ici. Bon, chaque case que vous faites avec un cavalier vous donne 10% d'attaque supplémentaire, de points d'attaque supplémentaire. Je pense qu'on va venir quand même attaquer ce truc. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4. On a encore une case en tout et pour tout maintenant. Je viens à 5. Je pourrais me donner de l'élan supplémentaire. Mais de nouveau, comme je vous dis, ici, je ne veux pas tout tuer, parce que si je tue tout, le rat peut venir, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, il pourra venir à la place de ceci. Je n'ai pas du tout envie qu'il me fasse ça, moi. Donc, on attaque, 19 à 23. Voilà, moi, il me fait 3 points de dégâts, donc vous voyez que c'était insignifiant. Parfait, toi, tu ne bouges pas de là. Alors, on va laisser venir plus loin. Toi, tu ne bouges pas. Toi, tu ne bouges pas. Toi, tu ne bouges pas. Toi, tu tires. Tu tires pas, non. Alors,
On peut te bouger, oui, non. Parce que ça, non, ça vaut pas la peine. Hein. Et alors, avant de tirer maintenant ici, on va profiter de ça. Lui, il va m'attaquer ici. Je m'en fous. Il peut m'attaquer. Ça va pas faire grand-chose. Hein. J'ai perdu 3 points, je crois, tout et pour tout. C'est ça. Par contre, lui, il va m'embêter. Lui, il va me faire 27 fois 2,5. 27 fois 2,5, 27 fois 3 maximum, 27 fois 2, 54, mettons 60 points de dégâts. Il a une attaque de 17. J'ai une défense de 50, donc j'ai 33, mettons un tiers. Je vais ne prendre qu'un tiers des dégâts. Donc 27 fois les deux, mettons 60, j'en prendrai 20 de dégâts. 20 de dégâts et j'ai encore 31. Donc, ces deux-là ne me gênent pas. Maintenant, le problème, c'est si elle, elle vient m'attaquer mon cheval. Ça, mais j'en suis pas sûr. Je crois qu'elle va plutôt venir ici. Donc, on n'a pas encore besoin maintenant d'utiliser ceci. Voilà, on va laisser faire. Voilà, elle vient attaquer le rat. Lui, il m'attaque 3 points. Voilà, il est mort. Lui, il attaque là-bas. Là, je perds un bonhomme. Bon. Il faut que j'en perde, hein. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous ne pouvez pas faire autrement que perdre. Donc, maintenant, nous avons des rats qui ne peuvent pas nous attaquer. Nous avons, par contre, ici un copain qui va, lui, venir se faire attaquer. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ok, je viens ici et je tue. Alors, on revient. Alors, combien il me reste? 2. Il me reste... je veux que tu viennes ici, et puis ici. Voilà. Est-ce que je te tue? Je te tue. Voilà. Hop, on gagne de nouveau 10%. Quick! J'aime bien le petit quick. Donc, maintenant, qui est-ce qui peut nous attaquer? Lui, il ne peut pas nous attaquer ce tour-ci. Elle, elle peut nous attaquer. Et malheureusement, c'est ce qu'elle va faire. Donc, nous avons une bonne possibilité de travail. Il y a Septentrin. Les Septentrins, c'est beaucoup à buter d'un coup. Montre-moi un peu ça. Ils ont 6 points d'attaque, 6 points de vie, 70 fois 6, 420 points. Moi, au maximum ici, je fais 7 fois, mettons 15, 70, 70 et 15 points fois 7, 5 fois 7, 42. Je ne sais plus compter. Hein. 112 points, c'est possible? 15 fois 7, 70, 7, non, 105. 105 points que je peux doubler. Non, 105 points, je peux encore en mettre 50%. 105 et 50%, ça me fait 150 à peu près. Et comme je disais ici, il y en a 320. Donc je ne peux pas buter en une fois. Donc je vais me prendre beaucoup de points de dégâts. Ce qu'on va donc faire, c'est que je vais me conserver le 50, au moins ici, pour buter ça. Comme elle, elle va m'attaquer, elle ne peut m'attaquer, les deux, elle peut attaquer le cheval et l'autre. Donc on va lui diminuer maintenant ses dégâts. On va encore le diminuer au moins une deuxième fois. Voilà. Maintenant, elle n'est plus qu'à 6, 7, ça veut dire 36 points à peu près. Mettons 40 points. Elle peut me faire 40 points. Elle a une attaque de 51. 40 points. Et j'ai une défense de 64. Donc, 64, ça me fait 5% plus 20% de hauteur. 25% en moins. Et bien écoutez, on va encore la diminuer un petit coup. Voilà, maintenant 3 points. Elle me fait 3 points de dégâts fois 6, ça fait 18. 18 moins 25%, ça fait un quart en moins, 3,5. 4 en moins, 14 points de dégâts. Et j'ai plus que 5, donc je vais perdre un bonhomme si je fais comme ça. Ouais. J'ai pas trop le choix. Je vais perdre un bonhomme.
Mais bon, je m'en fous, de toute façon, je m'en fous complètement, on n'a qu'à la perdre de bonhomme. Donc là, je ne tape pas dessus, et je ne tape pas dessus non plus. Voilà, viens me dire, bonjour, un bonhomme, voilà, perdu un bonhomme, il en a perdu deux. Mes rats, alors, mon rat, il est là, mon cheval, il est là, il va patienter. Parce que je peux buter tout ça, hein, après, sans problème. Ouais. Bien, mon petit. Parfait. Maintenant, je peux buter ma copine ici. Ce qu'on va faire, c'est améliorer... un petit coup de 12, il me reste quoi? Alors on va faire amélioration d'attaque de mêlée. Oui. Voilà, je gagne 25% d'attaque. Et je perds un petit peu de... Est-ce que je peux encore faire quelque chose? Non, on y va. Bon, bon. Toi, mon petit, tu me butes une bonne partie de ceux-là. Toi, une bonne partie de ceux-là. Et toi, tu viens me finir le petit travail. Ok, on a perdu un fantassin et trois miliciens, si je ne me trompe pas. Sur le premier combat, qui est, je veux dire, le plus difficile. Qui est le plus difficile? Voilà. Ah, deux, on a perdu, là. Et un, et un, et un. Parfait. Confirmé. Voilà. Tout ça n'est pas très important. Alors, on peut prendre ça ou le laisser aux autres. On va le prendre. On va aller prendre ceci. Alors, il faut que je rechange... Non. Non, je suis bon. De la fond, est-ce que j'ai les bottes, c'est bon? Ok, on est bon. Mais parfois il faut changer d'équipement, parfois intéressant. Ok, on continue. Deuxième bataille, on va aller chercher. Ah, je m'en fous un peu de son expérience. Je vais prendre de l'ambre. Voilà, alors je vais pas jouer avec Cécilia. Qu'elle soit à 16, 21 ou pas, je m'en fous totalement. Donc elle est par là. Ouais, viens me chercher un petit peu d'équipement. Je vous dis quoi là? Allez. Parfait. Un peu rude, hein, la petite... On va plutôt faire comme ça. Bien, on prend le commandant. Extrêmement bon. Moi, il ne m'intéresse pas pour Cécilia, mais pour les autres, ça va être très très bien. Là, vous le prenez, ce truc. Hein. C'est un des meilleurs... je veux dire, un des meilleurs trucs qui existent. Un des meilleurs artefacts. Ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller le chercher. Ça vous... illumine un petit peu de la place, mais pas grave. Cliquez une fois pour revenir dessus. C'est un peu de perte de temps, je vais dire, à la limite. C'est pas très rentable de venir le chercher. Bon. On va faire comme ceci. Bah, je laisse tomber, pas besoin. Donc ça, ils vont venir nous dire bonjour chez nous. Ça sera pas un combat, c'est très pratique. Et ça, c'est les meilleurs... la meilleure unité de tout Arléon. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. D'ailleurs, on ne va absolument pas travailler avec des humains. Vous allez voir. On va quand même prendre. Hein. Sûr que je te prends, mon petit. Voilà, déplacement maximum, terminé.
Ensuite, on va venir chercher ce petit bout de lin. La pierre, oui, c'est important. Boum. 5 d'attaque, 5 de défense, durée un combat. Ouais, on va prendre ça aussi. Mais mon petit, on prend les ambres. On prend ce machin. Je l'ai pris? Non. Voilà. Parfait, on avance. Alors, prendre un objet sur le côté, ça bouffe un demi-point également. Hein. Ok, encore un petit peu de plaisir. Voilà, et on peut attaquer tout de suite ces messieurs. On va quand même d'abord maintenant peut-être un petit peu checker comment on va se faire. Je veux voir ce qu'on a. C'est que des légionnaires. Et si on regarde nos légionnaires ici, on va regarder ce qu'il nous dit. Bon, allez. Voilà. Donc on voit qu'il y a trois cases de légionnaires. Les légionnaires sont un peu plus embêtés que ceux, un peu embêtants que ceux d'avant, parce qu'ils ont un bouclier qui leur donne 50%. Ils ont 50% de défense contre ceci. D'accord. Et donc de nouveau, on va travailler avec nos petits 4 plats. Hein. On va un petit dabat. Et par contre, celui-ci, c'est très intéressant, c'est parce qu'il te donne 2 de KO. Ils font 2 de KO. Donc on va continuer à diminuer notre quantité ici de petits bonshommes, mais on va se mettre un petit KO supplémentaire quand même, parce que j'aime beaucoup le KO. 2 de KO, voilà. Ce qui nous permet quand même d'arriver avec, de pouvoir faire ceci un peu plus souvent. Donc on a 10 et 7 par tour. 10 comme ça et 7 comme ça par tour, et on peut également faire ceci, vous voyez, l'assaut qui permet de taper 2 fois, même avec le milicien. Par exemple, le milicien peut taper 2 fois. Bon, vous allez me dire, taper 2 fois pour faire 2 points de dégâts, ça ne sert à rien, strictement à rien. Mais voilà, donc on a avancé un petit peu plus dans cette histoire, et on va attaquer ça. Allons-y. Alors, bah oui, effectivement, le 50 peut venir là. Et on va mettre des 1 par là. Donc, oui. Non, plutôt le 14 là-bas. Les 1 ici. Le 19. À la place... De quoi ? À la place du 1 là. Alors, les légionnaires, je crois qu'ils avancent que 3. Et donc, plus vous attendez, mieux c'est. Puisque vous allez fournir, vous allez gagner un petit peu de trucs, comment dire, d'essence. Allez, on va faire ça. Et je crois pas qu'ils aient une très bonne initiative non plus. Enfin, surtout, parce que nous, on en a beaucoup, il faut dire, hein, j'ai 15 ans en plus. Donc, ils sont tous là. Ok, ils avancent, comme je disais, 2-3 cases. Ils n'ont pas des dégâts exceptionnels, mais ils ont beaucoup de défense. Ils ont 18 de défense, 23, 27, 25, donc il faut quand même que je tape assez fort dessus. Donc, pour le moment, on va patienter. Voilà, le 19, bah, tu vas aussi venir peut-être. Ouais, ici tu seras très bien. Même là tu seras mieux d'ailleurs. Voilà. Les chevaux, bah, ils vont aussi aller dans ce. Pas là, oui, si, puisque c'est les autres d'abord vont jouer. Comment tu fonctionnes toi, mon petit? Disons qu'on va mettre le cheval ici. Allez. Boum. On n'est pas pressé. Le 1. Tu vas rester où tu es. Tu vas laisser attirer les bidules. Tu vas rester là aussi, toi. Toi, tu vas... alors, 1,
2, 3, hein, qui vont sans doute descendre comme ceci. Ou même peut-être comme ça qui vont descendre pour éviter. Donc pour l'instant je reste là. C'est pas la peine de tirer, déjà qu'ils tirent pas beaucoup. Ils tirent mal, pardon. Ils tirent lentement, dirons-nous plutôt. Bah, toi tu peux venir là, voilà. Toi tu viens dans le fond, voilà. Toi tu viens aussi dans le fond, voilà. Toi tu viens te suicider peut-être. Alors vous voyez, ils ont mis de la défense, mais ça ne dure qu'un tour. Donc il serait idiot d'attaquer ces trucs-là. Dans le tour, ils ont mis leur 30 de défense, bien entendu. Toi tu vas jusqu'où? Donc ici, 1, 2, 3, je ne peux pas attaquer celui-ci. Lui il m'attaque, il peut m'attaquer. Donc, disons que le 50 points ici, celui-ci serait peut-être pas mal à travailler. Combien est-ce que je fais de dégâts? 12 à 19. 12 à 19. 12 à 19. C'est pas suffisant. Je ne veux pas reprendre de points dans le nez. Donc, on va reculer. Et là, par contre, j'ai fait une bêtise, hein, parce que mon 50, ouais, il pourra aller là. On va reculer. Parce que j'ai pas envie de me faire buter par sa bête, non. Donc, je recule. Toi, tu recules aussi. T'es un second, donc tu peux aller par là. Pas de problème. Ok. Bon, on a 12 points maintenant. On a 12 points. Donc ça me permet de faire 4 fois des pas ici. Oui, je suis beaucoup moins, je suis moins de points que ceux-là. Hein. Donc, on va bouger. Tiens, bah, tu vas plutôt venir ici maintenant. Parce que j'ai pas vraiment envie de le perdre, lui. Hein. Il est là pour les attirer, mais j'ai pas envie de le perdre. Ok, toi, 27 vies. Bah, tu bouges 1. Comme ça, tu laisses la place au défenseur. Moi, je sais pas assez de points, 4 à 12. Un peu reculé. Et toi tu recules là-bas. Parfait. Toi tu restes là. Toi tu restes là. Et toi tu avances. Tu t'es mis en défense. Ok. Comment ça se fait que c'est toi d'abord qui est appelé? Bizarre ça. Donc tu peux rien faire, tu restes là. Ok, maintenant c'est à moi à jouer. Donc on voit ici 1, 2, 3, il ne pourra pas venir me buter celui-ci. Donc maintenant je peux attaquer à fond ici. Attaquer à fond ici, c'est quand même mieux. Non, mais je ne peux pas y aller de toute façon. Donc on va 12-18. 12-18, on a beaucoup de points pour faire des dégâts. Je peux faire 35, mais c'est vraiment merdique, ça ne vaut pas la peine, c'est du gaspillage. Là, c'est la distance. Nous allons travailler ici. Déjà, comme ça, je te diminue. Tu n'es plus qu'à 3-4. Tu n'es plus qu'à 3-4.
je vais pouvoir tirer sur le bidule là. Alors, je peux faire une double attaque, mais j'ai surtout envie de me protéger. Alors, là, tu ne me fais plus que 2 à 3 points. Je t'en bute 12 à 18, donc au moins 16, ça lui ferait 11. On se lui ferait encore beaucoup trop de points dans mon nez. Beaucoup trop de points dans mon nez. Beaucoup trop de points dans mon nez, malheureusement. Pas terrible hein, jusque là. J'aurais pas dû lancer mon attaque comme ça là. J'aurais dû tout simplement lui faire le souffrir correctement là. À 18. J'ai vraiment pas envie de perdre des points. Route de dégâts, je lui en bute à peu près 2. Tu parles que je suis... Non, non, il a 18 points là. Ils ont 18 points. Hein. J'en ai perdu un. Je veux pas aller là, parce que sinon celui-ci va venir là. Donc on vient ici. Parfait. Il reste 7 points, il va en perdre 8, donc il est mort. Donc tu vas bouger ici. Voilà. Tu restes là. Il n'y a pas un truc en hauteur. Tu ne vas pas dégager un peu la piste pour les copains. Disons que tu vas débarrasser la piste pour les copains. Voilà. Toi, tu peux l'attaquer, mais ça vaut vraiment pas la peine. Non, ça vaut pas la peine. Tu fais rien. Toi, tu débarrasses le plancher. Voilà, comme ça, tu peux pas être attaqué. Hein. Et t'attaqueras après. Oh. Et j'ai perdu un bidule là. Ah non. Les journées ont attaqué au corps à corps les délais, infligeant un point de dégâts. L'unité éliminée aucune. Et moi j'ai éliminé le dernier, okay, donc ça n'a pas marché comme je voulais. Toi il va falloir que tu puisses bouger, hein, mec.
viens ici. Ils sont pas encore au point, il faut qu'ils montent de tiers. Une fois qu'ils ont monté de tiers, c'est fini, hein. Terminé, buté tout le bordel. Écoutez, cette fois-ci, 12-18, j'ai pas envie de me prendre 25. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Je pense qu'on va travailler avec ça. Augmenter l'attaque de mêlée de tout le monde. Alors, là j'en fais 16. D'accord? Si j'augmente de 4 fois, donc de 100%, j'ai le but normalement, 12 minimum, il en a 25, ça ferait 24, mais au moins je passerai au-dessus, quoi. Donc c'est ce qu'on va travailler, on va travailler... on va le mettre là, ce sera plus facile. 2. Vous voyez déjà, 16, 24, 3 fois. 18, 25, on peut encore le faire, 4 fois. 20, 25. on va le faire encore une fois en plus, comme ça, donc, on est sûr. Voilà, 22, 25, j'espère que... Boom. Ok, c'est fait. Et le cheval peut faire la même chose ici. 15, 18, et comme il fait toute sa distance, on va quand même encore... on peut encore faire un coup. Oh, nice. Oui, je viens de récupérer des points là. Et là, on a un beau 15, 18, ce qui n'est pas... Mais ça va faire 7 en plus, ça fait 22 au minimum qu'on va lui faire. On peut quand même... qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a plus rien. Parfait, donc on vient terminer ça. Boum, il reste 7,45, j'ai perdu un cheval. Vache, enfoiré. Ok, bah, tu veux que je te dise, moi. Nous avons 2 et 5. Je peux pas bouger. Non, pas vraiment. Mais on va tirer maintenant... Et le petit dernier, on a 5, est-ce que j'ai un petit peu d'huile bouillante? On a un petit peu d'huile bouillante, et est-ce qu'on te finit? On ne te finit pas. Voilà, j'ai mal joué, j'ai perdu un cheval. J'ai mal joué, j'ai perdu un cheval. J'aurais pu le laisser bêtement qu'il aille me chercher un des... Un des niveaux, numéro 1, hein. J'aurais pas perdu le cheval. Mais bon, comme je ne les utilise pas, et là j'ai perdu un petit comme ça, mais bon. C'est pas énorme comme perte non plus, il faut dire, hein. Ça va. Ok, on arrive au bout. Maintenant, normalement, je ne devrais plus avoir de problème. Donc on va plutôt se promener par ici, via ici mon petit. Voilà, on commence déjà avec celui-là. Voilà, plus de déplacement, parfait, on continue. Voilà, là, on arrive à la dernière bataille. Hein. Il n'y a plus qu'une seule bataille avant qu'on atteigne notre ville. Hein. Donc ça, c'était le plus important. Nous avons maintenant... quoi que nous avons... Alors, on peut passer par ici et puis revenir par là. Autant venir, je pense, venir par ici tout de suite. $500 XP, ouais, j'avais pas besoin de ça. Ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est important. Il n'y a plus de temps. Dans la grande puissance de... des fées, hein, des petits oiseaux là, c'est trop de déplacements pendant deux tours, c'est gentil, c'est qu'au tiers supérieur ils ont droit à une deuxième attaque, et donc si quand ils tapent, s'il y a quelqu'un qui riposte, bon ben ils vont se prendre un coup dans le nez, mais ils retaperont directement après. Mais surtout s'ils tapent et qu'ils tuent,
ben, ils peuvent taper une deuxième fois, mais sur quelqu'un d'autre qui est à côté d'eux. Mais en plus, comme ils donnent du chaos, votre chaos, il vous permet de bouger. Le sort chaos. Même si vous n'aviez plus de mouvement. Et puis bon, ben, vous choisissez où se trouve. Essayer d'avoir deux personnes en même temps, quoi. Donc là, je suis bien obligé de revenir dans le paquet. Voilà, et tu me donnes. Oui, j'ai pas envie de te combattre. J'ai envie de prendre ça. Terminé. On vient reprendre le cercle de pierre. On prend les pierres qui se promènent. L'autre pierre. On prend un petit peu de. C'est quoi sa tour en ruine, 1250 XP. Toujours bien. On avance, on passe au sanctuaire oublié. Il n'y a plus que ça, je crois que j'ai tout pris. Oui. Et on passe notre tour. Vous voyez qu'il y a déjà un sacré paquet de tours qui passent, rien que pour arriver à la première colline. Hein. À votre première colonie, pardon. Parfait. 750 XP. On prend. Ils vont venir chez nous dire bonjour, trois nobles fées. Elles sont bien, mais il ne faut pas les acheter. Vous prenez ce que vous avez, mais on ne peut pas les upgrader, je vais dire, à moins qu'en prenant les trucs des la forteresse des ennemis, vous ayez un truc comme ça, enfin, je veux dire, leur château, si on peut dire. Non, tu me fais revenir ici, mon ami. Voilà, oui. Parce que ça coûte trop cher. Ce truc, il est. Il coûte un de tissu spécial, là, le tissu spécial, pour l'acheter. Déjà, il est cher, mais en plus, il vous coûte du tissu à chaque fois. Et deuxièmement, pour construire leur château, je veux dire, pour pouvoir les acheter et les upgrader. Ça vous coûte 10 d'abord de donc cher hein, en pognon, mais 10 de tissu et puis 20 de tissu, ça fait 30 de tissu. C'est énorme le nombre de tissus que ça vous bouffe, quoi. Ok, on arrive au bout ici. Alors, dernier combat avant l'arrivée de la colonie. Nous avons des cultistes, on va regarder déjà combien il y a de rangées. Est mort. Voilà, on va voir combien il y en a. Hein. Donc, les cultistes 26-50, les érudits auréliens, ils sont un petit peu plus méchants, eux, et les toxicologues sont. Donc, ça, c'est deux qui sont des gens à distance. Alors, on voit 11-25, je ne suis pas sûr. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire qui est importante. Il y a 2, 4, 6, 7, on voit. Hein. Il y a une chose qui est importante, c'est que vous pouvez voir. Dans le tutoriel codex, en plus dans la nouvelle version, vous aurez tous les sorts, vous aurez un petit peu plus que ce qui est ici. Et vous avez, donc on a ici les cultistes par exemple, on peut voir ce qu'ils font. Ils peuvent lancer un sort, et généralement ils vont pas vous attaquer, les cultistes, ils vont lancer le sort pour améliorer leur copain. Ici les toxicologues par contre, eux ils vont venir vous attaquer et ils tirent à distance et ils ont du venin, donc ils vont vous mettre des points de dégâts, donc il faut essayer de débuter assez vite. Ils ont quand même 10 points de vie et ils font 2 points à 4 points de dégâts avec un maximum de 20 dans l'escouade. Et les érudits sont aussi des gens à distance, généralement quand ils sont avec les thaumaturges et au extérieur, la version tiers 2, ils vont uniquement faire ça, généralement la recharge d'essence. Donc ils vont redonner une deuxième fois les essences qu'ils donnent au départ. Donc ils vont redonner deux arcanes et un destruction. Donc à son tour, donc ça aura enfin, 4 arcanes et 2 bidules comme ça. Bon, donc nous allons nous battre contre ces gens-là. Taille des squads, je pense qu'on en aura un ou deux, je ne sais pas. Eux, bien entendu, ne peuvent pas lancer de sort. Vous voyez ici qu'ils ne peuvent pas riposter. Et donc, quand vous les attaquez, ils ne ripostent pas. C'est important à savoir. D'accord. Portée de 7, initiative de 21. Ils ont une grosse initiative. Pas beaucoup de déplacements.
et ils ont un très bon point de vie. Donc on va venir attaquer ces gens-là. Hop, 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 attends, avant de faire ça. Donc nous voulons du chaos, nous voulons du chaos. Est-ce que nous voulons du chaos? Oui, oui, nous voulons du chaos. Mais nous voulons lancer sans doute un sort. Donc là, les petits quêtes, là, ils peuvent retravailler, oui, mais comme on va sans doute tirer avant eux, on pourra utiliser ceci, mais c'est pas... c'est cher pour ce que c'est, quoi. Ça, c'est bien, mais quand vous avez un mage, hein, quelqu'un qui tire avec un plus gros palier, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a... ça, c'est très intéressant, mais on ne pourra pas en avoir, malheureusement. On a ceci. On en aura trois avant eux. Normalement, on pourrait les empêcher de tirer. Ok, on va leur rentrer dedans comme ça. Donc, je veux le 1. On va aller à l'autre bout. Le 50, il pourra monter ici dessus avec son copain. Vous autres, vous êtes bien là pour le moment. Je pense que c'est très bien. Le 12... on pourrait plutôt venir à la place du cheval. Le cheval, on va pas le bloquer, bah, au premier tour aussi, c'est pas grave. Comme ça, lui il peut monter ici et l'autre pourra venir ici. Bien que je crois qu'on va je suis pas sûr qu'on va avoir l'occasion de tirer avec eux. Mais on verra. On verra bien. Oh. Ok, donc ces deux-là, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Donc ils sont trois rangées d'Aurélien et deux de 15 ici. Ces gens peuvent avancer 4 cases et donc ils vont essayer de venir me buter mon petit copain qui est là-bas. Donc on va aller déjà le mettre au fond pour qu'il ne souffre pas de trop. Voilà, donc il peut avancer, non, c'est 3 cases qu'il peut avancer celui-là. Ok, 1, 2, 3, et donc 1, 2, 3, il ne peut pas aller me le toucher. Même chose pour lui, eux ils sont trop loin, il va avancer ici, il ne pourra rien me toucher. Donc mes petits oiseaux, tout ça, je vais les reculer certainement. Ouais, je vais les reculer pour le moment. Et on va avancer avec le gros. Qui lui a 30 points de dégâts, 30 points de mayonnaise, là, je ne sais pas. Et elle aussi, elle a beaucoup de points, 68 points. On travaille avec ces deux-ci, et le cheval, qui a énormément de points aussi. Ok, je ne veux pas perdre mes petits quêtes, donc toi, c'est fait. Toi, bah, tu vas avancer. Hein. Tu vas venir... ici, voilà, tu peux mettre comme ça. Lui aussi peut avancer, il a 50% de réduction. Vous autres, vous reculez. J'ai pas envie que vous mouriez pour l'instant. On va plutôt venir là, c'est pas la peine de reculer à ce moment-là. Toi, même chose, viens ici. Ok. Ouais, ça va. Reste là. C'est qui maintenant? Je sais plus. Oui, c'est le 16 là. Ouais, tu peux rester là. Toi, t'avances au maximum. Toi, t'avances au maximum. Ok. Toi, tu vas avancer aussi. Tu vas avancer aussi. Et nous allons... nous allons... nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? On va faire ça. Enfin, on va avancer, je crois, quand même ici. C'est pas la peine de rester derrière avec Artus. Comme je dirais, je ne les aime pas trop. Alors, si je fais ça maintenant, après je ne pourrai plus rien lancer. Hein. Donc on va lancer tout de suite un petit coup de tempête. Voilà. Et maintenant, j'avance mon mec ici. Voilà. Tu vois, eux, ils n'attaquent pas. Hein. Ils viennent.
Parfait. On n'a perdu aucune unité. Par contre, lui, il s'est fait c'est empoisonné, hein, vous voyez. Donc 3 de dégâts. À mon avis, c'est par 5, alors. Par 5, je suppose. Parce qu'il s'est fait attaquer 2 fois. Enfin, soit, on verra. Donc, toi, tu restes là-bas. Toi, tu vas venir buter. Alors, les premiers importants à buter, c'est des gens là-dedans. 1, 2, 3, 4. Si je peux venir jusque-là et buter ça aussi, c'est pas mal. Comme ça, j'aurai plus d'empoisonnement. Mais après, pour arriver jusque-là, oui, on verra. Il y a une double attaque ou pas? Pour le moment, j'ai pas de double attaque, non. On va les faire les uns après les autres. Voilà, donc à 10%, défense, attaque. Le 20. On va venir leur rentrer dedans, comme ça ils pourront pas lancer leur. Leur sort à distance. Donc maintenant toi tu peux avancer. Hein. Ouais, vous allez pouvoir avancer les gars. Voilà. Toi aussi. Tu vas aller par où? Tu veux venir par ici plutôt. Plutôt par ici. Parfait, donc toi tu viens de buter cette histoire là. Donc j'ai pas mal de cases de déplacement, donc je vais venir ici. Je vais buter déjà un truc comme ça. Toi tu vas venir, j'aurais bien voulu que tu viennes bloquer celui là. Et tu vas le faire. Tu vas venir ici, j'espère. Tu, je peux pas aller jusque là. Hein. Si je peux aller jusque là, il peut pas riposter. Hein. Vous vous rappelez de ça? Donc on va faire un petit coup comme ça dessus, et on va venir se mettre là. Maintenant, viens là. Ah, tiens, ça c'est pas normal ça. Il peut riposter, il peut pas riposter, mais il peut faire une attaque. Donc bon, bah, je croyais, je n'ai pas fait attention. Tant pis, c'est pas grave, c'est la vie. 4 à 11 points. Ouais, de toute façon, tu as 3 dégâts, il faut que tu rentres dedans. Quoi. Il faut que tu rentres dedans. Donc, on peut faire quoi? Intéressant. On peut faire un petit coup comme ça dessus et lui rentrer dedans. Ok, toi tu vas venir buter venir en buter là-dedans. Hein. 4 à 5, il ne peut pas bouger de toute façon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut bouger? Oui, à vous deux, vous devriez. Non, toi tu pourrais. Ouais, tu devrais pouvoir buter ce truc-là. Hein. Donc on va aller. Là, je peux pas. Non, je peux pas. Ouais, on va faire ça. Toi, tu vas me buter celui-ci. Ah, j'aurais cru. Ah oui, mais tu n'es qu'à 12, toi. Et toi, tu es à 50. Ah, 4 seulement. Mais bon, il est coincé contre l'autre. Il n'y a que lui qui va m'enquiquiner. Est-ce que j'ai... j'ai toujours des trucs en défense. Mais je vais peut-être pas l'utiliser maintenant. Mais non, on va pas l'utiliser là, non. Par contre, ce que je peux faire, c'est avancer de 1. Comme ça, il est dans la zone mortelle.
Et je fais beaucoup plus de dégâts, voilà, j'en fais même suffisamment pour tuer. Adieu. Ah ouais, beaucoup de dégâts quand même, là. Je me suis bien fait buter, quoi. Ah, excuse-moi. J'avais pas vu qu'il y en avait encore un, là. Lui, il reste là-bas. Moi, de toute façon, le but, c'est de ne pas perdre ces petits messieurs-là. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, le cheval, il peut venir faire ça. On finit. 18. Je lui en bouffe 20. Et il en a. Et il en a 20. Ok. Il y en a encore ? Où est-ce qu'il y en a encore un ? T'es où toi ? T'es là-bas au bout ? D'accord. Ok. J'ai perdu beaucoup plus que ce que je n'aurais dû perdre. Normalement, j'en perds 0. Première fois que j'avais fait la bataille, j'avais perdu 0. Mais bon, c'est surtout celle-là qui est un petit peu plus embêtante. Mais bon, c'est pas très important non plus. Ok. Je vous laisse poser hein, si vous avez envie de lire, mais il n'y a rien. Intéressant, bien entendu. Alors, elle est là. Alors, comment ça marche ici? Il y avait toujours du commandement ici. Donc, pour monter le nombre d'unités. Et puis, vous avez deux choix. Il y a toujours le choix où vous aurez pris un point, ou vous en avez deux déjà. Va toujours apparaître jusqu'au moment où il soit terminé. Et l'autre, par contre, eh bien, il va. Comment vais-je dire? Il va être RNG, quoi, randomisé. Ben non, ils sont tous. Ben, les deux là, c'est random, sauf si vous en avez déjà rien d'occupé. Donc là, on a Mêlé qui est déjà fourberie. Très bien, fourberie, hein, c'est très bon truc. Mais comme je dis, avec elle, je m'en fous. De toute façon, c'est plus important, moi, je trouve, d'avoir des paliers dans les sorts que dans le restant.